Salut! 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 On vous fait cette vidéo pour vous faire part de nos ressentis sur la création Disney Performing Arts que nous présenterons le 7 mai à Disneyland Paris. Nous sommes très heureuses de participer à cette expérience unique et de pouvoir partager des moments sur scène entre petits et grands. Nous avons représenté pour la première fois la création Disney au spectacle Fenêtre sur cour en janvier. Et ça a été pour nous une occasion unique de nous préparer à affronter la grande scène de Disney. Merci pour votre soutien! Quand j'ai su que je faisais partie du projet Disney Performing Arts, j'ai été super contente. Encore plus de danse, c'était super. Pour l'instant, mon moment préféré de ce projet, c'est quand on a fait le tournage des vidéos et le shooting photo pour tout envoyer à Disney. C'était génial, il y avait vraiment une superbe ambiance. En décembre, avant Noël, quand Cynthia nous a annoncé qu'on était pris pour Disney, c'était vraiment le plus beau cadeau de l'année. Danser à Disney, c'est vraiment super, j'ai hâte d'y être. Et moi, ce que j'ai ressenti, le meilleur moment que j'ai passé, c'était déjà quand on a appris le début des scènes, le début du spectacle de Disney, les danses, et aussi quand on nous a dit qu'on était pris à Disney. C'était splendide, quoi. Et aussi, déjà que je rêvais d'aller à Disney, c'est une opportunité de danser. Tout le monde n'a pas cette opportunité. Voilà. Salut. Salut. Alors du coup, nous c'est Flore et Héloïse et on va vous parler du projet Disney Performing Art. Donc le projet Disney Performing Art, c'est une création de 20 minutes qui va mélanger petit et grand et qu'on va avoir la chance de danser à Disney. Et donc on va vous dire nos moments préférés de la création. Alors moi, c'était quand on l'a présenté pour la première fois à Géliot, on a pu avoir les premiers avis du public. Et moi, je pense que c'était quand Cynthia nous a annoncé qu'on allait partir. Parce que vraiment, je pense que pour la plupart, on pensait ne pas pouvoir y aller. Et en plus, à beaucoup, notamment à nous deux, c'est notre dernière année ici. Donc on est vraiment contentes de pouvoir participer à ce projet. Bonjour, je m'appelle Lucas et je suis très heureuse de participer au projet Disney. Et vous ne pouvez pas me louper, car je suis le seul garçon au milieu de toutes ces filles. À bientôt! Bonjour, moi c'est Emma et je fais partie du projet Disney Performing Art créé par notre professeur de danse Cynthia. Ce projet est magique, il a et va nous créer de merveilleux souvenirs et on la remerciera jamais assez pour ça. Le moment le plus beau a été lorsque Cynthia nous a annoncé qu'on partait à Disney, qu'on avait été pris. Ça a été vraiment un moment hors du temps. Et magique. Coucou, je m'appelle Maddy, je fais partie du projet Disney. J'ai trop aimé danser ce projet sur la scène du gala en janvier. Et là, maintenant, j'ai trop hâte d'être à Disney en mai. Bisous! C'est la noce de Disney qui m'a le plus enchantée, m'amuser et partager. Danser. Nous serons 22 sur scène, à côté du Space Mountain. Nous avons bien progressé et sommes motivés. Clara chante, tout le monde danse. Et oui, c'est Terpsy qui danse. Bonjour, moi c'est Tatiana. J'ai commencé la danse à Terpsy Corps quand j'avais 4 ans. Aujourd'hui j'en ai 18 et je suis heureuse de finir ces années de danse avec le projet Disney. Ce que j'aime beaucoup dans ce projet, c'est qu'il lie les enfants et les grands, que les enfants apprennent des grands, mais que surtout les grands apprennent des enfants. Pour l'instant, mon moment préféré, ça a été de le danser à Géliot, car on a pu tous partager ce moment en montrant tout notre travail à notre famille. Au revoir. Je m'appelle Élise, j'ai 11 ans et je participe au projet de Disney. Et je suis très contente parce que c'est une opportunité en or d'aller danser là-bas et que pas tout le monde ne peut le faire. Et le moment que j'ai préféré de toute l'aventure, c'était de filmer les vidéos pour envoyer à Disney et aussi quand on a su qu'on était pris. Salut, moi c'est Clémence et je vais vous parler du projet Disney Performing Arts. Donc pour moi, mon moment préféré, c'est quand on a dansé pour la première fois devant un public. Donc pour le spectacle de janvier. Et aussi quand Cynthia nous a annoncé la nouvelle, comme quand on était prise à Disney, c'était vraiment incroyable. Pour moi, c'était irréalisable. Et ça permet de clôturer ces 14 années
de danse en beauté. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Clara, je vais vous parler un petit peu du projet Disney Performing Arts. Donc c'est une expérience très enrichissante dans laquelle nous avons tissé des liens entre les plus grands, les plus petits. Il y a une très bonne ambiance, on est tous bienveillants entre nous. De plus, on est très contents de partir à Paris, de danser à Disneyland. Mon moment préféré, je dirais que c'est lorsque Cynthia nous a annoncé que nous avions été sélectionnés pour danser sur la scène de Disney. C'était un moment très émouvant, on était ravis. Et je la remercie également de pouvoir me faire chanter, c'est trop bien, je suis super contente. Bisous! Salut, je m'appelle Olivia et je suis une élève de Terpsichore et je participe au projet Disney. Oh, tiens, salut Mickey, ça va? Je vais t'expliquer ce que j'ai ressenti. Ce que j'ai préféré, c'est de danser avec mes copains et copines et de les avoir connus. Et ce que je trouve incroyable, c'est de danser au pays de Mickey! Coucou! Alors, pour moi, c'est une expérience fantastique d'aller à Disney, vu que c'est un peu la maison magique des enfants. Et je trouve ça magnifique. Et en plus, on a eu beaucoup d'heures de travail et d'efforts. Donc, ça vaut vraiment le coup. Salut, moi c'est Mayana. Je suis vraiment super contente de faire partie du projet Disney Performing Arts. On est vraiment un groupe super soudé malgré nos différences d'âge. On passe toujours de super moments ensemble. On a été super heureux de vous montrer notre création durant le spectacle de janvier Fenêtre sur cour, mais on a encore plus hâte de le danser sur la scène de Disneyland Paris devant un nouveau public. Rendez-vous à Disney! Coucou, moi c'est Eva, je suis partie de la création Disney et pour l'instant ce que j'ai préféré faire c'est quand on a tourné les vidéos à Dansa et bien évidemment quand on a appris qu'on était pris pour danser sur la grande scène de Disney. Et aussi toutes les heures de travail où petit et grand on s'est donné à fond. Alors maintenant, j'ai plus qu'une hâte, c'est qu'on danse tous ensemble sur cette scène et qu'on profite un maximum du moment. Coucou, donc moi je suis très contente d'aller à Disney. En plus, c'est la première fois que j'y vais. Et en plus, c'est pour danser, donc je suis hyper contente. Et j'ai beaucoup aimé quand on est allé à Densa, parce que bah, je me suis éclatée là-bas. Et aussi au spectacle de janvier, parce que bah, c'était cool. Voilà, ciao ciao! Coucou, moi c'est Léna et je fais partie de la troupe Disney Performing Arts. Nous sommes 22 élèves de Terpsichore à danser pour ce merveilleux projet. Et nous avons la chance de danser sur l'incroyable scène de Disney le 7 mai prochain. C'est une super aventure avec des super chorés et merci à tous les gens qui soutiennent ce magnifique projet.